quand on prie, quels sont les mots qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas dire, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire pour ne pas, pour que les mots ne viennent pas nous attaquer. Pourquoi on ne vient pas d'attaquer? Parfois, on peut prier, dire certaines phrases qu'on ne devrait pas dire dans la prière. Bon. Déjà, quand tu pries, ne donne pas le pouvoir aux choses, aux circonstances. Comme dans la Bible actuelle, David le faisait. Ils sont plus nombreux que moi. Oh, ils me trouvent, ils font ceci, ils font cela. Non, ne donne pas le pouvoir à ça. C'est à toi de prendre le pouvoir quand tu pries. Tu dis, tu as accepté la vérité. Et en tant que, parce que tu as accepté la vérité, la parole dit que quand tu es dans la vérité, voici ce qui ne va pas t'arriver. Tu dois prendre le pouvoir sur telle force, sur telle puissance. C'est qu'il faut prier avec conviction, avec fermeté, avec puissance. Et dans les intentions. Ne va pas dans la prière, bon, au début pour certains, mais il y a prière et prière. Ne va pas en tant que victime. Ne va pas en tant que victime. Ne va pas en tant que pauvre. Parce qu'un pauvre va voir le juge pour une situation contre un riche. Il va venir en tant que pauvre. Lui, il va s'appuyer sur toi. Sur ses pleurs, sur ses genoux, il va se mettre à supplier. Mais toi, quand tu vas aller à la prière, tu dois aller en tant que qui? Tu dois aller en tant que fille. En disant, regarde ce qu'ils sont en train de me faire. Dans ma nature, ils ne doivent pas me le faire. C'est comme ça? Ah oui? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand le roi était malade, il devait mourir, on envoie le prophète pour lui dire. Le prophète en deux parties, qu'est-ce que le roi a fait? Il a commencé à pleurer. Il a dit, mais il a commencé à supplier en disant, mais attends, tu sais que j'ai beaucoup heureux pour toi. Voilà ce que j'ai fait. Il n'est pas allé supplier comme quelqu'un qui a peur de mourir, mais parce qu'il voulait encore vivre. Et s'est appuyé sur quelque chose. Il a pris en tant que serviteur, quelqu'un qui respectait le verbe. Et là, sa prière était puissante.